Et bien salut tout le monde, c'est Xbeska et aujourd'hui on se retrouve pour nos aventures sur... Oula, ça freeze. Sur Star Wars Jedi Fallen Order. Allez, venez mes petits caribous. Aïe 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 aïe, je prends déjà cher, oh bordel. Attrapons cet intrus. Ouais, attrapons-le. Et bim. Tu ne briqueras pas. Loupé. Et pouic. T'es mort. Allez, viens là toi. Oh yeah. Ressentez la puissance de mon double sabre laser. Yep. What? Il m'a fait quoi? La mort est inévitable. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, la mort est inévitable, blablabla. Et où le câble que j'avais mis? Attendez, c'est par où encore qu'on était, on avait été? Alors là, je vois qu'il y a un truc... Je sais plus par où on était passé en vrai. Il est où le mauvais fucking cap que j'avais foutu? Nani? Ah, il est là. Non, non, il est pas là. Et merde. Et merde, je sais plus. Tiens, j'ai pas regardé, est-ce que je peux monter là? Je peux pas. Bon, ouais, par là du coup. Ah oui, c'était ici. Enfin, je crois. J'avais... On avait trouvé établi ici, là il y avait un corde qui nous fait descendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas d'ennemis, ça va. Alors, si on monte là... Bonjour. Voilà une âme errante. Apparemment tu as croisé la sœur de la nuit, mais... contrairement aux autres, tu es vivant. Oh, un sabre laser? Non, 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 le cache pas. Voilà qui explique que tu es survécu. Qui êtes-vous? Tu ne... Oh non, non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. J'étudie la nature de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les sœurs de la nuit? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Mais oui, cette sœur de la nuit, oh... Elle n'était qu'une enfant, quand ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines? Oh, elles sont millénaires. La sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Évite les ruines. Où tu connaîtras les mêmes sœurs. Bon, on a déjà un problème majeur, c'est que je peux pas sauter là, je crois. Non, je peux pas sauter aussi haut. Ouais. C'est loin. Bon. Bon, en tout cas, c'est pas ici qu'on va... What? What? Je peux pas prendre ce câble? Ok. Ah bah en tout cas ce que c'est qu'on est légèrement dans la mouise. Donc je ne peux pas aller sur ces ruines. C'est assez clair et net. Et de ce que je vois, apparemment on a loupé quelque chose près du vaisseau. Ok. Du coup je fais quoi? Je retourne en arrière? Je me doute bien qu'il faut le pouvoir du double saut pour pouvoir passer ça, mais... Du coup, je vais retourner au vaisseau. Hein. Bizarrement, il me semble pas avoir loupé quelque chose. Hein. Oh, oula, attendez, mais je vais faire comment, moi? Ah bah voilà, comme ça. Oh, j'avais pas vu ça là-haut. Yeah. Mais quoi? Je peux pas cacher tes faiblesses. Je peux pas cacher tes faiblesses. Oh oui. Allez, monte. Merci. Et là, ils vont me dire, où est-ce qu'il est passé? Ils l'avons perdu de vue. Ah.
Une sœur de la nuit a survécu. Ouais, ils sont où ? Elle a quelque LOL. Chose de familier. Essaie de me battre. Ah d'accord, plus ça contre. Tu te crois à la hauteur ? Non, je... Ah mais putain ! Salut ! Viens, assieds-toi ! Putain, mais arrête d'esquiver quoi ! Non, non, tombe pas ! Merci. Ah t'es d'accord, je pouvais pas l'ouvrir. Quelque chose en bas ou pas? Rien. Ah, donc ces portes étaient totalement fermées, je pense qu'on a quasiment tout exploré. Enfin je vois qu'il y a des zones jaunes mais... Lance-moi un steam BD1. Ouais vas-y lance-moi un steam BD. Alors, on était ici. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un coffre là. Allez, pirate BD1. Ah ouais, t'es tellement un pro. Doucement. Qu'est-ce t'as trouvé quoi BD1? Nouvelle méta obtenue, Magus. Ok. Donc je suis ici, là y'avait rien. Bon, là apparemment y'a un truc. Allez, salut. Allez, salut. Quoi que j'ai loupé ici? Ce côté là? Y'a rien ici. Hein? What? C'est en haut ou c'est en bas là? Ah, y'a le gros pavot. Oh, y'a un trou. Faut entrer dedans? Oh. Je suis certain que c'est pas le bon chemin, mais bon. Non, là y'a rien. En dessous il y a des ruines, je suppose. Là je peux pas entrer. Là-bas on y avait déjà été. C'est bizarre parce que ça me dit que c'est sur le même niveau que moi, donc techniquement ça devrait être à côté. Étrangement y'a rien. Ça met une musique épique alors qu'il n'y a rien. Bon. Donc, à mon avis, c'est pas ici que je trouverai le sort. On va descendre du coup. Je peux pas l'ouvrir. Ça met à être clair. Bon. C'est quoi en bas là-bas? Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait grimper là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc on peut monter là. Nice. C'est tout. C'est juste un raccourci pour aller au vaisseau. C'est un petit peu nul quand même. Bon. On va aller sur votre planète hein, du coup. Pas trop le choix, j'ai envie de dire. Pas trop tôt. Content de te revoir sain et sauf. J'ai bien failli ne pas m'en sortir. J'espère qu'on t'a pas suivi jusqu'ici, petit gars. J'espère aussi. Planète suivante. Souviens de moi. Je suis venu sur Bogano pour trouver mon ancien maître, Ino Cordova. Ravi de te revoir aussi. Vous avez dû passer beaucoup de temps isolés tous les deux sur cette planète.
Il a dû partir juste après t'avoir activé. Est-ce que tu te rappelles la dernière chose que Cordova t'ait dite ? Bonne chance, Jedi. Que la Force soit avec toi. Le journal laissé pour Cal. Il n'y a rien d'autre ? Terminus, remonte ici. Oh, on va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hé, Gris ? Ouais ? Dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Braca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les scanners. Ok. Très bien. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Pas rassurant. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources naturelles. Les Wookiees sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookiees et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Darfoul est peut-être avec eux. Darfoul peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan ? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Je vais en pirater un. Ah ! Écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi ? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière grise de faire des miracles. Hé, hey, et fais-moi plaisir. Essaie de rester en vie, c'est d'accord ? Je vais tout faire pour ça. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD ? T'es prêt à y aller ? Mais je monte comment, ça ouais. Voilà, gros. Ah, carrément. Ah, j'aime bien. Je vais aller où ? Par là. J'aimerais juste éviter de perdre ma vie ici. Okay. Et maintenant ? Ah, mon dieu, toute cette magnifique boue. Ils ont vraiment cru que ça serait suffisant pour se planquer, les mecs, ou quoi ? Pourquoi ce serait peut-être bien d'éviter de se faire tuer aussi ? Ce serait la meilleure option d'ailleurs. On y est presque. Regardez ça, ils lui ont fait une barbe ! J'imagine qu'on continue. Ils lui ont fait une petite barbe, une petite barbe, une petite barbe ! Ils lui ont fait une petite barbe ! Je peux sauter là ? Non. Grimpons tout en haut.
Allez, on va grimper tout en bas. Hein. Ah. Putain, c'est grand. Ouais. Ah, d'accord. J'ai pas compris là. Il y a pas de peau. À ton tour de le signaler. C'est le Jedi. C'est le Jedi. Oh, si. Et hop là. Eh ben donc, il y en a eu des morts ici. Hein. C'est mort de quoi d'ailleurs? Incinéré? Je vois un nouveau vaisseau sur le scanner. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque? Elle est dans un sale état. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Ça devrait quand même suffire pour écraser ces insurgés. Il faut qu'on reste stable. Je revenais pas que ça ait fonctionné. Ok. Marche. Bon rapport, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous enseignez le protocole impérial. Faire taire, BD. Arrêtez-vous, on en est trop. Pas mal. C'est parti. Coup de laser. C'est pas moi qui l'ai dit. Continue d'avancer. Eh ben, je pensais pas qu'on aurait un passage comme ça. Je tire sur quoi là exactement? Parce que là je vois pas grand chose. Ma foi. J'avance en fait, d'accord. Bonjour la résistance! Viens vous aider! Hé! Hey, qui es-tu toi? Quelqu'un qui vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Allons les mettre vraiment en colère. Ouais. Ah oui. Oh le kiff. Voilà la plateforme. Oh ça c'est du pur kiff en vrai. Ah oh, ça c'est du Star Wars comme je l'aime. Ouais, oui, t'inquiète pas, on va le faire. Vous mettez quoi du coup là? Par contre, j'avoue que c'est pas facile de voir les trucs pour viser. Ils sont à moitié transparents, je trouve ça un petit peu stupide. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, t'as franchement cru que t'avais une chance? Allez, meurs! Enfin, détruis-toi! C'est bon! Il se dirige. Qu'est-ce qu'il fait, BD? Tu peux faire quelque chose? Accroche-toi! Prépare-toi, BD! Ça va. Et toi, BD? Non, on peut pas faire ça toute la journée.
Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom ? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk ? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là ? Avec mes hommes, on est venus sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Qui est-ce que tu recherches ? Un chef Wookiee qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant ? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Wookiee, qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré ? Grise ? Lui, c'est So. Comment ça va ? Pourquoi cherchez-vous Tarful ? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. T'es sûr encore que tu l'as trouvé ? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookiee comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Oh, oh, une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go ! Go ! Go ! Go ! Wow ! J'ai eu du coup ? D'accord que je peux rien faire ici, là, si. Ah, si pas, les Wookiees sont super mal modélisés. Il paraît que So espérait des nouvelles de Tarful à la raffinerie. Un rapport de ce matin dit qu'il a été aperçu dans les terres d'ombre. La tête, ça va, mais le poil... Oh, c'est... Une transmission impériale indiquait qu'il était près d'un... Peut-être par là-bas. Ah, j'avoue, les Wookiees sont pas... Ils sont pas au top de leur forme, hein. Je pense qu'ils auraient pu rajouter 5 kilos de poil. Ah, il y a un truc, quoi. Alors, je peux passer. Pourquoi faut pas juste les détruire pour passer, quoi? Ah, au moins ça va. So devrait se trouver au bout de cette zone. Y'a quoi là-bas? Ah! Regarde, il y a un établi. Je pensais qu'il y avait un établi. Ah oui, il est en bas. Oh, t'es sérieux. Bon, du coup, qu'est-ce que ça va me permettre, l'établi? Tu en es où niveau puissance électrique? Bip bip! Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. Oh, il est trop mignon, BD1. Je l'adore. Wow! Vite, aide-moi! Tu sais que ça a l'air chouette ici, donc! Faut pas être arachnophobe, hein! C'est une blague là! Putain! Comme par hasard, y'a des araignées, quoi! Jeu de merde! Ah, ben maintenant il peut. Essayons ça. Ouais. C'est con parce que je peux pas accéder au truc, quoi.
étrange si vous accédez à ce machin en fait. Le problème de BD1 c'est qu'il peut pas faire ça en fait. Il veut pas aller dans l'autre sens, le con. Du coup, il y a ça, mais je peux pas y accéder du coup. Ah, ça me saoule. Ah, ok. Parce que là, du coup, hop, regardez, hop, je suis passé là, y'a pas de problème. Mais si je veux le faire dans l'autre sens, c'est mort. Ah, bah, en fait, je crois que je sais pourquoi, c'est parce qu'il est pas assez. Il saute pas assez haut. Et hop, allez, BD1. C'est vrai que ça passe? Ouais, ça passe. Qu'est-ce que c'est que ces machins? J'ai besoin d'un steam! Ouais, ça va exploser, je crois. Bon, t'as trouvé quoi? Oh! Par ici! J'arrive! Vous allez bien? Pas mal votre arme? La raffinerie de sève impériale est droit devant. Qu'est-ce que l'Empire fabrique avec de la sève? Rien de bon. Il raffine la sève pour fabriquer un puissant composant, et la production se fait de plus en plus vite. On doit les en empêcher. Oui, c'est le plan. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà un bélier. Toutes ces raffineries servent aussi de camp de prisonniers. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les Wookiees. Leur aide sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Fais attention à toi. T'as entendu ça? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Ouais, mais avant d'aller plus loin, est-ce que je peux récupérer de la vie, s'il vous plaît? Ça a l'air génial ici, donc. C'est tout ce que j'aime. Waouh! La raffinerie impériale, ouh! Ah, je dis GG respawn, quand même. Ils sont vraiment assurés hein, sur le jeu, c'est un truc de fou. Bon, personnellement, j'aurais vraiment pas mis un gameplay à Dark Souls, je trouve que ça colle pas forcément au jeu, et puis ça va être plus, c'est plus énervant qu'autre chose, au final. Parce qu'on a envie d'avancer dans le jeu, on a envie de voir de nouveaux trucs, et au final, on se fait arrêter par ça, quoi, c'est un petit peu con. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'avais, du coup? C'est quoi, ça? Repousse. Pff, oh. Ah, Y, putain, vous aviez pas plus chiant pour... Ok, ça va en fait. Ah, ça peut être, on va la prendre. Charge améliorée. Voilà. Bon, on a gaspillé nos points de compétences, tant mieux. Allez, du coup, on va où? Gauche, droite, mon cul. Là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a absolument rien. Ok. Si je descends ici, je suis mort, donc c'est à droite. Là-bas, une des découpeuses est allumée. C'est un genre d'exercice. Attention! Je t'entends dire! Attention, il n'hésite pas à tuer! Brisez ta garde! Appliquez! Vite! Ouais, vous avez un gars, essayez seulement. Il faut juste que je me concentre. Où la grenade? Où la grenade? Yeah. Petit con. Quelque chose ici? T'es obligé qu'il y ait quelque chose ici. C'était obligé, lui, ça, qu'il y avait quelque chose ici. C'était un des guerriers Wookiee.
Ils devaient certainement se cacher ici pendant leur bataille contre l'environnement. Du coup, il y avait un truc ici. Ok. C'est bon à savoir. Bon, sinon, le double saut, je le débloque quand, là ? Tu sais que c'est une mauvaise idée, pourquoi tu l'as fait ? Non, monsieur, vous avez peur ? Tu l'emporteras pas. Allez-y ! Tu vas avoir affaire à moi maintenant, Jedi. Qui c'est ? Je vais avoir peur. Oh non ! Il y a quoi ici ? Bouge pas. Eh merde, j'ai plus de puissance. Hop. Ah, d'accord, c'était un truc pour méditer. Ah, c'est bizarre par contre, je pensais avoir déposé tous mes points en fait. Apparemment non. Perte de compétences. Alors attendez, c'est quoi ça? Dévier tir, ouais, ça peut être sympa ça. Ça va être même très sympa, ça. Par contre, j'aimerais bien trouver des Steam ou autre, là, ce serait cool. Cours, gros, cours! Non, là, c'est pas de m'enfuir, c'est faux. Et vous devriez peut-être essayer de vous enfuir justement. Non, 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 non. Ouais, non, moi j'attendais pas ça depuis si longtemps en fait. Ah bon? Ok. J'ai quelque chose à faire. T'as l'air coincé, je vais régler ça. J'avais encore jamais vu un soldat comme ça. Il faut que tu fasses sortir les Wookiees de là. Ne t'arrête pas, Jedi. C'est ouvert. Vas-y. Ok. Vas-y, mon petit Jedi. Par contre, je sais pas ce qu'il a le jeu en ce moment, mais... Alors... Ça passe juste, hein, BD. Des flammes, ils sortent des murs. Visez le nez. Ah, il carrément des maintenant. Magnifique. On peut pas passer. Doucement. Allez, trouve-moi un truc sympa, BD. Quelque chose d'utile. Allez, ouvre. Ok. Tu peux pas vaincre l'Empire. Putain, ils sont pas faciles à attaquer, eux. Tu ne peux pas vaincre l'Empire. Eh si, je peux. Avec la puissance de ma grosse... Passer par là, non. Non, c'est pas par là. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où le truc à scanner là ? Ouais. Je regarde.
faire, on est d'accord. Ah, j'avais pas vu, pardon. T'es sûr que tu veux vraiment te brancher là-dessus? Ok. Un raccourci? C'est pour ça que tu voulais déplacer ça. T'avais aucune idée que c'était là, pas vrai? Tu voulais juste activer la découpeuse. Tu voulais juste activer la découpeuse, quoi. Tu voulais me tuer, bébé, hein? Tu voulais me tuer! Ah bah vous savez quoi, vu qu'il voulait me tuer, bah on va s'arrêter ici! Allez, sur ce, mes petits loulous, je vous laisse ici! Prenez soin de vous! Prenez soin de rock'n'roll! N'oubliez pas d'avoir la... Houii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